Le Parlement grec a adopté cette nuit les réformes exigées par la zone euro en échange du déblocage d'un nouveau plan d'aide de plus de 80 milliards d'euros. Le chef du gouvernement Alexis Tsipras avait appelé plutôt à la responsabilité des députés après avoir subi les virulentes attaques de certains membres de son propre parti de gauche, Syriza. 32 d'entre eux, dont l'ancien ministre des Finances Yanis Varoufakis, ont rejeté le plan. 6 autres se sont abstenus. Contre également les députés issus du parti des Grecs indépendants, pourtant alliés de Syriza au sein de la coalition gouvernementale.